écoutez, à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, je vais très bien. Et dans ce nouveau tutoriel, XS Spartacus va vous expliquer comment il faut installer la barre de Mac, en fait, dans Rocket Dock, sous système Windows. En fait, Rocket Dock, c'est la petite barre qui va vous permettre de mettre vos icônes dessus, comme sous système Apple, voilà. Mais on va le mettre sous système Windows, tout simplement, voilà. Vous voyez, ça fait un effet très sympa, je trouve, que ces petites icônes que j'avais avant, toutes moches, installées n'importe comment, voilà. Bref, pour cela, il vous faut aller dans la description et cliquer sur le lien, voilà, sur le lien Rocket Dock. Puis après, une fois que vous êtes sur ce lien, vous faites « Download Rocket Dock », vous cliquez dessus, tout simplement. Vous faites « Enregistrer ». Et enregistrer sur le bureau, je fais enregistrer. Une fois que c'est téléchargé, vous avez un petit truc comme ça, donc une petite seconde, je vais désinstaller Rocket Dock pour que je fasse l'installation avec vous. Je vous mets en pause et on se retrouve à la fin de la désinstallation. Et puis voilà, c'est fait, je l'ai désinstallé. Vous voyez, j'ai le petit archive Rocket Dock ici qu'on a téléchargé, donc on double-clique dessus. Voilà, une petite seconde. Donc là, vous choisissez la langue. Il y a, je sais pas ce que c'est. Là, il y a l'anglais, je sais pas ce que c'est. Et là, il y a le russe. Donc, moi, je choisis l'anglais. Vous faites comme vous voulez. Voilà, ok. Puis après, vous voyez, c'est la petite barre. Donc, vous faites next, I accept. Donc, vous acceptez next. Là, c'est l'emplacement où vous voulez le mettre. Donc, moi, je laisse comme ça. Je trouve que c'est sympa, là. Bon. Bref, après, on clique sur Next. Attends, oui. Donc, ça, c'est pour créer une icône. Donc, je clique. Je vais créer une icône. Voilà. Next. Install. Voilà, ça l'installe. Tout simplement. Error, error, accès refuse. Donc, recommencer. Ah, d'accord. Une seconde. Ignorer. Voilà. Ça le fait. Et puis, voilà, ça me l'a installé. Donc, vous cliquez sur finish. Donc, vous supprimez ça. Ça là, vous le supprimez. Oui. Donc, regardez. J'ai Rocket Dock, mais je le veux pas sur mon bureau. Donc, je le supprime. Ce qui ne sert à rien. Ça va faire moche. Encore une icône. J'aime pas quand il y a des icônes. Donc, vous allez dans le menu démarrer. Il sera là. Donc, vous cliquez sur Rocket Dock. Et voilà. Il s'ouvre ce magnifique truc. Voilà. Et vous pouvez même mettre des icônes sur cette barre là, regardez par exemple, je vais prendre on va dire curseur FX, je le mets ici, tadadam, il est là, ça marche impeccable, voilà. Donc moi je ne veux pas, je l'enlève comme ça. Donc j'espère que je vous ai aidé. Donc abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, et si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas de les poser, surtout pas, et demandez vos vidéos dans les discussions. Ciao tout le monde.